prédestinés à une fonction dans la société. Ouvriers, soldats, dirigeants. Mais nous, qui avons décidé de nous battre en faveur des animaux et de l'environnement, nous le faisons parce que nous pensons que la société des hommes avait perdu quelque chose de précieux. Le libre arbitre. Et si un enfant rêvait de devenir autre chose que ce à quoi la société le prédestinait? Et si un enfant aspirait à quelque chose de plus grand, de plus utile pour la société? Bien évidemment, la question ne se pose en aucun cas pour vous, car vous incarnez cette conviction. Car vous êtes en effet la première preuve naturelle depuis des siècles. Vous avez tout risqué pour sauver nos compagnons animaux et leur environnement. Vous êtes encore prêt à tout risquer pour changer leur condition, qui n'est que celle d'une poussière sur un meuble pour leur bourreau. Car vous êtes prêt à changer ce monde apocalyptique pour un nouveau monde, le vôtre. Et surtout, parce que vous savez que cela est possible. Vous l'avez fait, vous le faites encore. Pas eux. Et si aujourd'hui les combats de la vie, les combats en faveur de nos compagnons que sont les animaux et leur environnement, vous semblent de plus en plus possibles à gagner, c'est que nous sommes aujourd'hui des milliers, des millions et des milliards à penser et à avoir de la même façon. Et par là même vient notre force, le meilleur et l'unique combat philosophique de destruction massive, qui n'écrit pas l'histoire de nos victoires en traits de sang. L'unique alternative au chaos de l'humanité tout entière promis par l'irresponsabilité de nos dirigeants et chefs d'État. Et enfin, parce que nous savons que le règne du mal existe bien, que le bien existe bien. Et parce que nous savons que notre destin dépend uniquement de celui que nous avons décidé de suivre. Toute vie est précieuse. Protégeons-la.